Salut, hop tout le monde, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de la fatigue, le top 10 de l'amour, le top 10 faire un live 24h. Parce que oui, à l'heure actuelle, vous écoutez ce top 10, il y a de fortes chances que je sois encore en live ou en train de dormir comme un vieux sac. Peu importe, c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas aujourd'hui j'ai favorisé les clips originaux plutôt que les clips extrêmement techniques. Et on attaque directement à la 10ème position avec notre cher Ever Stunting, qui va nous faire un clip 100% random. Il va bump au niveau du Life Invader. Il va rebondir sur ce petit bâtiment rectangle noir, je sais pas le nom qu'il a, pour faire le petit parking entry, 100% random, mais 100% classe, bravo à toi. 9ème position, mais on s'attaque avec Maxi D. Alors Maxi D qui va nous faire un petit cog avec sa Akuchu, il va passer sous l'aile de l'avion et nous taper un bump, je ne sais pas comment, pour monter sur le bâtiment. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est de la chance, mais en tout cas, ça a de la gueule, bravo à toi. 8ème position, maintenant on se retrouve avec Joe Jersey, si j'ai corté son pseudo, qui se retrouve simplement sur Arma 3, c'est un serveur modé avec un camion assez assez bizarre. Voilà, c'est, je veux dire, c'est limite une prise de catch, quoi. 7ème position, on se retrouve maintenant avec The Raoul. Alors The Raoul, on se retrouve sur du Black Ops 3, il va nous faire tout simplement une petite fuite dans le screen, je vous le spoil. 4 à l'onde de choc, ou la pointe de choc, ainsi que 2 avec sa petite arme, pour un total d'une 6 fuites dans le screen. Et en plus, cerise sur le gâteau, nous avons la killcam, et ça, ça a de la gueule. Bravo à toi, très beau clip. Même si on aurait peut-être préféré une sifi d'alarme. La sifi est là, et en killcam, bravo à toi. Félicitations. Pour la 6ème position, maintenant, on se retrouve avec Perly X, du MW3, mon dieu que ça fait plaisir. Et on va se retrouver dans ce couloir, vous le connaissez tous, ce couloir. Et là, ça va enchaîner, et là, ça va faire mal. Là, ça pique. 5 feeds, 6 feeds, 7 feeds. No broc, multi-kill, tout ce qu'il fallait, bravo à toi. 5ème position, maintenant, on se retrouve avec Smilodon. Alors Smilodon a un stunt vraiment original, franchement j'ai adoré. En plus il nous a fait un petit edit du futur avec les petits ralentis, les petits délires, enfin tout ce qu'il faut pour avoir vraiment l'épique au plus haut, tu vois ce que je veux dire. C'est là, petit skydiving, il va passer sous le son pote en BMX qui saute, en plus en prime, le petit ralenti. Franchement c'est... Il faut avoir vraiment une bonne synchronisation, prendre en compte le lag des serveurs et tout. Super classe, franchement vraiment classe, bravo à vous les deux les gars. Quatrième position, maintenant on se retrouve avec Monsieur Dove Swift, oui. Alors pour un fail, mais pas n'importe lequel. Alors franchement, prendre un bump comme ça avec déjà avec la bâtie, ça va pas être si facile que ça. On pense tous qu'il va se poser sur ce bâtiment, mais non, il continue au niveau des arrondis. Et là, il va taper deux double bumps dissidents. Et malheureusement, se casser la gueule comme un vieux schlag. C'est tellement dommage, il aurait été magnifique ton spot, dommage à toi. Troisième position, on se retrouve avec Rims. Alors un spot, c'est assez bizarre à expliquer, alors un spot magnifique. Vous savez, c'est le genre de spot, on a l'impression en fait que la personne n'a pas fini ce qu'elle voulait faire. Je sais pas comment l'expliquer. Le spot est magnifique, super précis, la prise d'élan est tout simplement de malade. Mais je sais pas, on a l'impression que son spot est pas fini, qu'il manque quelque chose, qu'il manque la finition. Même si la précision est bien présente là où il atterrit, je sais pas, on a l'impression qu'il manque quelque chose. En tout cas, très beau spot, félicitations. Seconde place, on se retrouve avec Aero, alors un grand classique. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce classique. On prend ce bump, on pense tous qu'il va se poser sur le bâtiment, mais sauf que lui il a pas le temps, il va se poser sur la grue derrière. Un magnifique spot, t'as bien dû en chier. Parce que cette trajectoire là, je l'ai déjà tenté plus d'une fois et il est vraiment pas facile. Bravo à toi. Et pour le vainqueur de cette semaine, on se retrouve tout simplement avec Monsieur Vince. Alors il nous avait envoyé un fail monstrueux sur ce spot malheureusement la semaine dernière, il avait fini second d'ailleurs. Et là on est heureux de voir qu'il a réussi à le rentrer enfin. Et donc pour fêter ça, première place, je pense que c'est mérité, un spot comme ça c'est tellement compliqué. J'ai mis un petit accéléré pour montrer qu'il reste bien en place quand même dessus, même si c'est un petit peu catastrophique. Mais le spot est rentré, félicitations à toi. Et voilà les amis, ce top 10 c'est déjà terminé, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment à ma compagnie. Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire, et n'hésitez pas à passer pourquoi pas pour profiter de la fin de ce live 24h à ma compagnie. Pour la semaine prochaine, pas de thème spécial, juste je vous dis à l'avance, préparez déjà des gros clips, il y aura un top 100 qui arrivera à la fin du mois, je vous le dis, je vous spoil, préparez les clips les gars, ça ne va pas rigoler. Je vous dis à la semaine prochaine, allez, peace!